Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto peinture consacré au Seigneur Maul pour le jeu Star Wars Shatterpoint. Afin de vous aider à suivre ce tuto, voici un guide complet des différentes peintures que j'ai utilisées. Vous verrez également dans ce tuto des icônes qui indiquent la façon dont je dilue ma peinture, en allant de peu diluée jusqu'à extrêmement diluée. De même, un second jeu d'icônes vous montrera quelle charge de peinture j'utilise. Est-ce que mon pinceau est gorgé de peinture ou bien est-ce qu'il y en a très peu dessus? J'espère que ces icônes vous aideront à reproduire mes gestes. Sans plus attendre, passons à la peinture. J'ai commencé par préparer et monter ma figurine, donc aucun problème comme d'habitude. Très bon plastique, très bonne qualité, donc tout va bien. J'ai ensuite tout sous-couché et bien en noir, avec une sous-couche Valero Hobby Paint noir. Et j'ai voulu quand même eh bien, faire par-dessus un léger zénithal de Wolf Grey, très léger, de façon à eh bien revoir un peu l'ensemble des volumes de la figurine qui sinon en full noir était assez peu lisible. J'attaque directement avec un Grim Brown de façon à travailler ce qui fait Maul, c'est-à-dire sa peau. Et pour qu'elle ne soit pas en concurrence avec tout le noir qu'il y aura ensuite sur la figurine, eh bien, je la base avec cette espèce de marron gris foncé. Je reviens ensuite avec un blanc assez dilué, vraiment assez dilué, de façon à, eh bien, continuer à travailler sa peau. Et donc, je viens reprendre, eh bien, tout ce qui sera les futures parties rouges de sa peau. Vu que ma peinture est bien diluée, eh bien, ça coule dans la sculpture même qui est déjà présente sur la figurine, donc ça pour ça bravo AMG, et je remplis quelque part eh bien, ces trous de blanc de façon à ce que mon rouge plus tard vienne vraiment popper par-dessus. Donc soyez précis, si vous débordez c'est pas grave, mais remplissez bien les trous sinon vous aurez du mal après à remplir eh bien, avec le rouge. Puis attendez que votre blanc soit parfaitement sec pour passer à la suite. Je poursuis donc avec mon Deep Red pour venir eh bien, travailler le reste de la peau. Du coup, eh bien, là où j'étais passé en blanc, je repasse avec mon rouge, ce qui lui permet eh bien, d'être vif, d'être visiblement rouge dès le départ. Et bien évidemment, eh bien, je remplis tous les creux de façon à ce que l'ensemble des zones puisse devenir rouge. Alors, petit fait remarquable, c'est que sur le torse, les reliefs sont en bosse, alors que dans le visage, ils sont en creux. Il suffit de le savoir. Au final, vous devez obtenir quelque chose comme ça avec eh bien, le rouge de la peau. Afin d'apporter un peu plus de lumière, je viens avec un Dead Red, donc un rouge légèrement plus clair, et eh bien retravailler les zones de lumière de mon rouge. Hein, donc je le fais avant de retravailler tout le reste, comme ça, eh bien, au moins je pourrai tranquillement ne pas avoir à revenir dans ces creux. Et puis ben, sur les bosses du torse, eh bien, donc je travaille en petit dégradé, en petites touches, pour venir éclairer le haut ou les parties dirigées face à mon zénithal. Ce sont ces petits points de lumière qui vont faire une vraie différence une fois la figurine terminée. Une fois que tout est bien sec, je reviens avec mon Grim Brown pour retravailler eh bien, tous les détails ou tous les débords que j'aurais pu faire avec mon blanc et mon rouge. Mais comme là, ce n'est plus en creux, eh bien, je peux plus facilement retravailler et redéfinir les différentes zones de la sculpture du visage de Maul. Donc venez comme ça doucement et eh bien retravailler les différentes zones pour gommer toutes les petites erreurs jusqu'à obtenir quelque chose comme ça. A l'aide d'un ash gray plutôt bien et finement dilué, eh bien je viens reprendre tout comme j'avais retravaillé mon rouge en lumière, eh bien reprendre mes zones de Grim Brown avec cette couleur. Le but est d'apporter un peu de définition, un peu d'éclaircissement dans tous les espèces de tatouages, marquages du visage et de la peau de notre ami Maul. Même dans une peau très foncée comme celle-ci, vous devez apporter un peu de contraste, un peu de lumière, de façon à ce qu'on comprenne les volumes. Voilà ce que vous devriez avoir à cette étape. Il est temps maintenant de nous occuper avec un Grimy Gray et bien des cornes de notre ami Maul. Donc avec une peinture assez diluée, et bien je les travaille dans le sens de leur longueur. C'est-à-dire que je pars en gros du sommet de la peau du crâne pour aller jusqu'à l'extrémité de la corne, de façon à ce que ma lumière soit un petit peu progressive, on va dire, sur chaque corps. Et n'oubliez pas de bien faire le tour de la figurine sous tous les angles pour voir si vous n'avez pas oublié des petits bouts, parce que ça m'est arrivé. Et voici ce que vous devez obtenir.
J'éclaircis ensuite mon grimy gray avec un peu de blanc pour m'obtenir une couleur légèrement plus blanche qui va me permettre, eh bien, de travailler le haut, l'extrémité haute des cornes de notre ami Maul. Donc vraiment, c'est des petits points, des petits passages, mais ça va faire une vraie différence en éclairant chacune des parties. Je mélange ensuite mon grimy gray avec un peu de mon ash gray pour venir, eh bien, avoir une couleur encore plus claire pour venir travailler certains petits points de lumière. Eh bien sur la peau et le visage de Maul. Donc vraiment là, je me concentre sur les tout points finaux qui vont faire la lumière en global en fonction de mon zénithal. Et voilà ce que ça donne. Allez, c'est le moment de se concentrer. Avec du noir, je reviens travailler le fond de l'œil de Maul, histoire qu'il ait un regard bien sombre et bien ténébreux. Et avec du blanc, eh bien je viens faire juste deux petits points aux extrémités de l'œil de façon à ce que un point noir reste au milieu. Pour former la pupille. Et voilà ce que ça donne. Allez, il est grand temps de s'occuper de son manteau et donc je viens avec un rubber black assez dilué, vraiment assez dilué, et bien retravailler et bien presque l'intégralité de la tenue de Maul de façon à redonner une couleur noire puisque mon zénithal de gris clair a quand même triché largement avec la lumière, mais je vais donc essayer de retrouver quelque chose de beaucoup plus sombre et je le fais très dilué de façon à profiter quand même un peu du zénithal, de façon à continuer à voir encore eh bien, où sont les zones de lumière sur sa tenue. Donc je fais comme ça eh bien, toutes les zones de sa tenue. J'ai oublié de faire le gant, mais ça viendra. Jusqu'à ce que j'obtienne eh bien, ceci. Je viens donc travailler la lumière sur ce rubber black avec un reddish gray que je vais repasser dans mes zones de lumière zénithale de façon à éclairer un peu eh bien, ce noir. Bon, et là, normalement, vous allez me dire, mais Nico, t'es un peu fou dans la mesure où tout était déjà noir et tu le repasses en gris pour faire du noir. Alors, certes, le but ici est de reprendre les zones de lumière, mais on verra tout à l'heure qu'au final, ça va être noir. Le noir est comme toutes les autres couleurs, il prend la lumière, il reflète la lumière et il a des zones d'ombre. Or, pour représenter eh bien, cela sur du noir, on est obligé de passer par des teintes de gris. Et la différenciation d'un gris à l'autre n'est pas forcément toujours facile à faire. Là, avec cette méthode, vous allez pouvoir faire un noir profond qui va être nuancé tout en étant noir à la fin. Donc, comme on dit, eh bien, trust the process, ayez foi dans le process et regardez jusqu'au bout. Comme mon reddish gray est bien dilué, eh bien, je peux passer comme ça de très fines couches que je vais finir par superposer les unes sur les autres. Et à force de retravailler comme ça mes différentes zones de lumière, mes différents plis, mes différents creux que je vais laisser justement beaucoup plus noirs, etc., je vais réussir à contraster complètement, eh bien, les parties de tissu ou de cuir de sa tenue. Quelque part même, mon objectif est de surexagérer la lumière sur ces zones de façon à ce qu'elles soient encore plus brillantes qu'elles ne devraient l'être. Et donc au final, eh bien, j'ai une tenue grise, très contrastée. Mais vous verrez que c'est utile. Je poursuis avec son pantalon que je vais faire avec un neutral gray. Pour avoir une teinte, je dirais, totalement neutre sur laquelle je vais pouvoir travailler la lumière. Donc je peins tout simplement eh bien, son pantalon avec une peinture assez diluée pour continuer à profiter de mon zénithal quand même et marquer eh bien, les différents plis ou les différentes zones eh bien, de ce pantalon. Je m'assure que toute la zone a été recouverte au moins une fois et au final, voici ce que vous devez obtenir. Je mélange ensuite mon neutral gray avec un warm gray, à peu près à 50-50, dans une texture très fluide, donc vraiment assez bien diluée. Et là, je vais reconstruire ma lumière sur mon pantalon, de façon à vraiment pousser des zones lumineuses dans les plis les plus dirigés vers ma lumière zénithale. Encore une fois, le but est presque d'exagérer ma lumière. Sur ce pantalon gris que je vais pousser vers quelque chose de très blanc, mais vous comprendrez bientôt pourquoi. Et à force de petits passages successifs comme ça de ce warm gray, eh bien j'obtiens vraiment une lumière très visible sur son pantalon.
Et histoire d'être bien sûr, je la pousse jusqu'au Wurmgray pur, vraiment dans les plus hauts points de lumière de sa tenue. Et j'obtiens donc un fort contraste, bien marqué, sur ses parties grises. Je m'attaque maintenant aux parties métalliques et donc eh bien, je viens avec un gunmetal presque pur travailler ces différentes zones. Comme vous pouvez le constater, j'applique ce métallique avec une certaine forme de brossage, c'est-à-dire que je ne viens pas l'appliquer et le pousser, vraiment je gratte le dessus des surfaces, ce qui me permet de donner une direction, je dirais, à mon coup de pinceau et à l'orientation que mon métal va prendre. Ça me permet aussi d'être beaucoup plus fort, on va dire, sur les différentes arêtes, et ce qui va renforcer l'effet métallique sur eh bien, quasiment tout le bas de ses jambes, puisque Lord Maul est donc à moitié robotique, après s'être fait couper en deux par Obi-Wan. Et là, l'ensemble de ses jambes mécaniques eh bien, vont être rendues avec ce métal purement ou presque simplement eh bien, brossées. Je m'assure quand même que toutes les arêtes sont vraiment bien marquées et que mon métallique, eh bien, est visible sur toute la partie quand même. Et là, trêve de suspense, puisqu'avec mon Black Lotus de chez Express, eh bien, je venir reprendre, eh bien, l'intégralité de mes métaux, ce qui va m'apporter à la fois des ombres, à la fois une légère teinte bleutée, eh bien, dans mes métalliques, mais et oui, je vais repasser sur tout presque de la figurine. Je vais garder le pantalon et ses manches, on va dire, dans un gris très clair, mais par contre, tout le reste va avoir droit à cette couche, quelque part, d'ombrage supplémentaire qui va venir en fait assombrir, mais aussi lier tous les éclaircissements de gris que j'avais pu faire tout à l'heure sur la figurine. Et donc, je vais retrouver quelque chose de beaucoup plus noir, mais très bien dégradé, très finement, parce que justement, tout ce travail de gris préalable. Si j'étais resté sur des grilles plus sombres, eh bien je n'aurais pas obtenu le même résultat. Maintenant que tout est bien sec, il est temps d'éclaircir un peu le métallique et donc je vais venir avec un aluminium reprendre comme ça certains détails, certaines lumières ou certaines brillances à divers endroits de tous les métaux que j'ai pu poser sur eh bien, notre ami Maul. Bien évidemment, je fais tout ça en fonction eh bien, de mon zénithal et donc je ne renforce les lumières que du côté de la lumière de ce zénithal. Parfois, cela peut suffire en faisant juste un petit point, un petit trait, hein, pour marquer cette lumière, cette différence de luminosité sur eh bien, notre figurine. Cela va rendre plus scintillant, on va dire, les petits éléments hein, qui seront vraiment visibles en tant que métallique, mais aussi construire hein, volume ou la brillance de tous ces éléments de façon à augmenter le contraste que l'on va avoir et donc la lisibilité métallique que l'on va avoir sur ces différentes pièces. Et voilà ce que vous devez obtenir au final. On va maintenant s'occuper de son sabre laser rouge, son double sabre laser, que je base donc intégralement avec le Deep Red pour obtenir ceci. Et pour lui donner un peu de peps, je rajoute de l'orange fluo avec mon Deep Red, je mélange et je viens passer comme ça un fin lining sur mon sabre de façon à lui faire eh bien, un effet néon. Effet que je booste à la base des deux sabres avec mon orange fluo en le faisant légèrement déborder sur les parties métalliques de façon à donner un petit reflet et un effet luminescent que je reporte aussi sur les extrémités du sabre. Et voilà, Lord Maul est maintenant terminé, il est prêt à rejoindre eh bien, sa Death Watch pour fomenter tout un tas de complots depuis Mandalore pour essayer de se venger de ce vilain Obi-Wan. Je ne vais pas peindre le socle de cette figurine dans ce tuto, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai consacrée spécialement au socle pour le jeu Shatterpoint. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter ou à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et en activant la cloche, eh bien vous serez prévenu de la sortie des prochains tutos concernant le jeu Star Wars Shatterpoint. J'espère que ce tuto vous aura plu et rendez-vous pour le prochain. Et en attendant, que la force soit avec vous.